Good morning, allez, Idan, et ce aujourd'hui, les Lunishmat Avam Chayin, Orbe, Ben Fortune, Mazal Dov, Ben Yehudit, Micha Machlouf, Ben Masouda, Nachman Yosef, Ben Nahum, et Yaakov Nissim, Ben Chana, si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Misha, connectez les 5 minutes éternelles. Nous étions dans Sechet Meila, Père Gimel, Mishna Gimel. Rabbi Ishmael Omer Adam, Kal Bitrilato, Vechamour Besofo, Vanesachim, Chomer Bitrilatan, Vekal Besofan. Adam, Batechila, En Moalin Bo, Yatsal Nachal Kidron, Moalin Bo, Anesachim, Batechila, Moalin Baem. Petite introduction. Un korban, à partir du moment où on a fini de faire la mitzvah que l'on devait faire avec lui, il n'y a plus d'interdit de Meïla. C'est-à-dire, on va prendre justement l'exemple des oblations de vin qu'on a porté au Beth Amikdash. C'est parfait, c'est pas compliqué par rapport aux oblations aux autres korbanot où il y a des petites nuances, mais la base c'est la même. Une oblation de vin, je dois. Lorsque j'apporte un korban, Veniskem, Chatsiaïn, Yelapar, ou Shlishi, Taïn, la Aïl, Orvi, Taïn, la Yain, la Aïl, je ne sais plus, dans le Keves Yain, et il y a marqué là-bas, on lit dans le Moussaf du korban de Rosh Chodesh, on lit là-bas qu'il faut apporter, après chaque korban, apporter une oblation de vin. On fait un don, on apporte du vin, selon l'espèce qu'on apporte, si c'est un taureau, un bélier, ou si c'est un mouton, il faudra apporter plus ou moins de vin. Prendre ce vin, le faire monter sur la mitzvah, le verser dans les chitines. Il y a là-bas deux sortes de verres, de tuyaux, où il fallait verser dedans, et c'est ensuite le sang dégouliner jusqu'aux chitines. Les chitines, c'est le yesod, c'est les fondements du misbéach. D'accord? Maintenant, dès qu'on a fait la mitzvah de verser le vin, puisqu'on a accompli la mitzvah avec le vin, il n'y aura plus d'interdit de meïla. C'est-à-dire rien d'interdit de meïla tant que le vin il est là, présent. Dès que j'ai fini la mitzvah, ça y est, je donne à manger au roi, qui vient chol. Bien sûr. Et j'ai fini ma mitzvah, donc il n'y a plus d'interdit de meïla. Cette règle-là, on la retrouve de partout. Sauf que quand on fait un korban, c'est un peu plus délicat, parce que même lorsqu'on va faire griller la viande sur le misbéach, il y a encore une mitzvah à faire avec les cendres, c'est de la sortir sur le bêta des chaînes. Donc en fait, c'est pour ça que là-bas, on continue à transgresser un interdit de meïla, même quand c'est réduit en cendres, parce qu'on n'a pas fini la mitzvah. Mais, règle générale, juste de partout, dès qu'on a fini la mitzvah totalement, il n'y a plus d'interdit de meïla. D'accord? Eh bien, sur ça, on va découvrir qu'en réalité, il y a quand même un interdit de Meïla, des rabananes dans le sang. Et je commence tout de suite à traduire la Mishnah. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael nous enseigne. Adam, kal bitrilato vechamor besofo. Le sang, il est léger au début et strict à la fin. C'est-à-dire, on va comparer à la différence de Vanesachim et les oblations de vin. C'est le contraire. Chomer bitrilato, ils sont très stricts au début, vechal besofan, et ils sont allégés à leur fin. C'est-à-dire, on est en train de comparer le sang qu'on doit asperger sur le misbéach et les oblations de vin qu'on doit verser dans les fameux deux ouvertures là-bas où il y avait sur le toit du misbéach, là-bas il y avait deux ouvertures et il fallait verser le sang. Que le sang, lorsqu'il est devant toi pour le moment, tu ne transgresses pas d'interdit de Meïla. Mais une fois que tu vas l'asperger sur le misbéach, il y aura là-bas un interdit de Meïla. On va expliquer pourquoi, mais pour le moment c'est ce qu'il y a écrit. Et à la différence, le vin. Tant qu'il est là, il y a un interdit de Meïla. Dès que tu l'as versé, il n'y a plus d'interdit de Meïla. Tout fonctionne à l'envers. Adam, le sang, Batechila, En Moalinbo. Le sang, au début, on ne transgresse pas l'interdit de Meïla. Par contre, Yatsal et Nachal Kidron, dès qu'il va sortir au Nachal Kidron, c'est-à-dire les restes de sang qui nous restaient, une fois qu'on avait fini les aspersions, il fallait le verser. Il y avait aussi un autre trou dans le misbéach, et il y avait une autre bouche, où il fallait là-bas verser les restes du sang, et le sang dégoulinait, et il passait ensuite. Il y avait sous l'Azara du Beth Amikdash, il y avait un petit ruisseau qui dégoulinait, et ce sang partait au Nachal Kidron, un Nachal qui s'appelait Nachal Kidron, une petite rivière qui s'appelait la rivière de Kidron. Le sang là-bas des Korbanot se réunissait là-bas et partait là-bas. Eh bien, ce sang-là qui est en train de sortir partir au Nachal Kidron, eh bien, Moalinbo, au contraire, là-bas, on transgresse l'interdit de Meïla avec ce sang. À la différence que quoi de Anesachim, les oblations de vin, Batechila, Moalin Ben, au début, on transgresse l'interdit de Meïla. C'est-à-dire, tant que je n'ai pas encore versé le sang, je transgresse l'interdit de Meïla. Par contre, Yatsou, la chitine, dès qu'ils ont sorti en direction des chitines, même mieux que ça y précise les commentateurs, depuis le moment où j'ai commencé à verser le sang, imaginez quelqu'un qui va réussir à le rattraper en plein milieu de sa descente jusqu'au socle du Beth Amikdash, il n'y aura plus d'interdit de Meïla. Eh bien, En Moalin Ben, on ne transgresse pas l'interdit de Meïla. Et il faut expliquer. Tout ça à la chôte, c'est-à-dire, pourquoi, premièrement, pourquoi d'abord, tout korban, lorsque je le sanctifie, il devient kadosh. Donc il est kadosh, il y a un interdit de Meïla. Pourquoi le sang c'est différent?
Rashi rapporte qu'il y a un pasouk explicite, et le Bartanora rapporte. Vani netativ lachem ala misbeach lechaper. Et moi, je vous ai donné le sang pour vous, sur le misbeach, pour vous faire une expiation. On apprend que le sang est resté à vous. C'est-à-dire, lorsque je sanctifie un animal, l'animal certes devient la propriété du misbeach, mais le sang de l'animal que je vais asperger, ça reste ma propriété. Il y a probablement une raison un peu. Une raison plus profonde à ça que. Quand je fais un korban, au lieu que j'apporte moi, j'aurais dû, quand je transgresse une avéra, j'aurais dû moi-même mourir, shalom. Et alors j'apporte le korban en guise de c'est mon sang à moi que je vais le faire. Donc le sang, il n'est pas à Hachem, il est à moi. Et la Torah, elle m'a dit, tu prends ton sang et tu l'asperges sur le misbéach. Ça reste ma propriété. Donc ça reste ma propriété. Il n'y a pas d'interdit de Meïla sur le sang. Malgré tout, la Mishnah m'enseigne maintenant quelque chose de très particulier. D'abord, je laisse. Non, je l'explique, je le dis tout de suite. La Torah me dit. Malgré tout, la Mishnah enseigne, sache que malgré tout, une fois que tu auras fini le rituel du sang, tu vas le laisser dégouliner jusqu'au Nachal Kidron, là on décrète Midérabanan, le Bartonori l'explique. Midérabanan, on transgresse un interdit de Meïla, qui implique qu'il va falloir rembourser la contre-valeur, et on va expliquer après pourquoi. Pour le moment, je continue à avancer la Mishnah, qui me dit par contre, le vin, alors c'est à l'envers, mais c'est très logique. Tant que tu l'as sanctifié pour le verser sur le Mizbéar, il est Kadosh. Dès que tu as fini la Mitzvah, il n'y a plus aucune Gdusha. D'où la grande question maintenant, pourquoi pour le sang il y a un interdit midérabanan de Meïla et pour le vin il n'y a plus d'interdit midérabanan de Meïla? Sur ça, cette question elle est soulevée par le Tiferet Israël dans la partie Boaz, et elle est répondue par le Tiferet Israël, mais j'ai plus accroché la réponse du Tiferet Israël, du Tiferet Yaakov, qui donne une réponse très simple. C'est-à-dire, il s'avère qu'en réalité, dès que règle générale admise de partout, dès que j'ai fini la mitzvah, il n'y a plus d'interdit de Meïla. Pourtant, Chachamim ont décrété un interdit spécial sur le sang, qu'une fois que j'ai fini d'asperger et de verser tous les restes de sang, lorsque le sang va sortir au Nachal Kidron, on transgresse un interdit de Meïla sur ce sang, si on en tire profit, un interdit de Meïla Midérabanan. Chachamim, ils ont voulu spécifiquement ici décréter un interdit. Pour quelle raison? Il explique le Tiferet Yaakov, quelque chose de super. Il nous dit c'est très simple, et c'est explicite dans la Gemara que. Les agriculteurs avaient un grand intérêt à récupérer cette eau du Nachal Kidron où il y avait le sang mélangé. Pourquoi? Le sang, c'est un super engrais. C'est un bon engrais pour la terre, donc les agriculteurs le voulaient. Puisque les agriculteurs le veulent, alors il y a ici un profit pour le Beit HaMikdash. Chachamim ont décrété, oh, interdit d'en tirer profit si tu ne payes pas. On a voulu faire gagner et remplir les caisses du Beit HaMikdash, donc du coup on a décrété un interdit de Meïla Midérabanan afin que les gens veillent à payer la contrepartie a bien payé leur sang. Le sang, et comme ça, ça fait chose qui ne se retrouve pas avec le vin qui dégoulinait dans les chitim. Il partait pas au Nachal Kidron, et puis je ne sais pas si c'est un bon engrais de toute façon. D'accord? Donc il n'y avait pas d'interdit de décréter cette meïla. Donc il s'avère, pour récapituler, le sang, il n'y a pas du tout d'interdit de meïla au début, mais dès qu'il va sortir au Nachal Kidron, il y a un interdit de meïla midérabanan. Le vin, c'est tout le contraire. Depuis le début, il y a un grave interdit de meïla. Déjà accompli la mitzvah, il n'y a plus aucun interdit de meïla. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov.